Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XIV et plus particulièrement pour la dernière partie du raid 24 joueurs de l'ombre de Mac. Allez, c'est parti. Putain, à peine arrivé, on a déjà un boss. Allez hop. J'étais pas de là-haut. Cette fois-ci, on ne se fera pas avoir, hein, on ira jusqu'au bout. Et m'ennuie pas. Ouais, c'est poli. Bien se positionner au niveau des glaçons, hein. Sinon bah autant dire faut se one shot. Bien pensé à enlever les glaces, sinon bah, c'est du one shot cette fois. Thank you.
je pense que j'aurais pu remarquer que le cristal allait tomber où il y avait le joueur, la grosse AOE, ça aurait peut-être pu être une idée. Sans dire que le tank est mort. Hein. Ça fut compliqué, mais bon, on va y arriver. Alors, en temps normal, ça passe nickel. Donc, ça va être dur, je pense, Red. À quel point c'était serré, j'ai même pas eu le temps de pouvoir reste ma fée tellement qu'il y avait une mort et qu'il fallait d'abord s'occuper de l'équipe, hein, c'est la priorité d'avoir l'équipe avant la fée quand même. Ça veut bien entendu aussi qu'on a moins de heal, mais on n'a pas le choix. Tant qu'elle est lui, on n'a pas vraiment le choix. C'est bien la première fois que je les vois tomber tous les trois par contre. D'un côté on n'a pas de chance, de l'autre on en a. On va vérifier la suite bien entendu.
Corto qui se casse la gueule ici. Ah, notre cher Verdiat. Il voulait se venger. Nous, on veut lui rendre, l'appareil et le renvoyer d'où il vient, nous. Comme lors du donjon, à bien faire attention aux faucilles. On avait pu voir tout à l'heure, la boule jaune avait absorbé une boule bleue, ce qu'il fallait, ça veut dire qu'il fallait s'écarter. Là il va absorber par contre une boule jaune, c'est à dire qu'il faut aller vers justement vers l'autre jaune, l'autre bouche géante jaune. Donc là je suis de type O, non de type O, il faut tout transformer en si je me souviens bien. Ah ouais, donc c'est plutôt le contraire, il faut transformer les choses en feu. Voilà. Bien éliminer les fous de Ferdiat, tout simplement. Alors une boule bleue va être absorbée, une deuxième boule bleue va être absorbée. Le but c'est de s'éloigner, donc par là. Je suis trop court, hein, mais c'était pour un peu vous expliquer avant de bouger. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, enfin, moi je suis pas mort. Le principe. Je laisse le trépère Sunraise, qui l'avait également entamé, son sort de vie.
le bleu ayant la serre jaune, il faut surtout aller vers l'autre bleu en fait. Hop. Les sphères bleues, il faut s'en éloigner. La sphère jaune, il faut vraiment être en dessous, vu que ça attaque le reste de la carte. Deux sphères bleues, donc on s'écarte. Même si ça va, il va, il est quasiment mort, hein, on s'écarte quand même. Proto Ultima, sachant qu'en temps normal c'était un autre boss. Ce boss est arrivé par après et a remplacé le boss qui existait déjà. Dans mon grand malheur, j'ai même jamais moi-même fait le précédent boss. Je n'avais pas encore fait une seule fois l'instance. On se contente de Proto Ultima qui est surtout DPS check. Ça motive à ne pas rester dedans, ça nous donne des lenteurs.
Soldat Ultima et Combert. Le prochain combat est donc contre la Reine des Ombres elle-même. La question étant pourquoi n'est-elle pas le boss final ? De justesse, une fois qu'elle fait son attaque comme ça, faut vraiment se mettre derrière elle et pas rester tout près quand elle saute comme ça. Voilà. Bien soigner tout le monde, ça on est libre quand même. On ne peut rien faire en ayant le boulet au pied, ça sert à rien. Priorité 1, on va quand même se heal avant de tenter de tracer quelqu'un. Je ne l'ai pas évité. Ça me perd quelqu'un. Oh, je vais envoyer un heal par reste. C'est absolument pas devant, comme vous pouvez le voir. Bien éliminer les mains ombrales, tout en faisant attention au boss. Le but est simple, éliminer les ZAD. Je pense que pas plus simple.
mère en peluche. Ouais, j'avais oublié ce détail. Ok. Ah ouais, il y a des peluches et tout qui se baladent à côté, j'avais pas fait attention. Familier de la reine, une vraie chimère cette fois-ci. Il y a un même bouclier. Ça va faire mal. Aïe. Je peux, mais ça fait mal. Comme vous avez marqué, malgré que j'avais un bouclier, traité du réconfort, en étant sur les côtés, je me suis quand même pris une sacrée claque. Hein. Ah bah attends, c'est que là, pour survivre, ça va être compliqué. Absolument pas de quoi. Non, j'ai par contre. On va invoquer ma fée si j'y arrive. On fera toujours d'huile.
dans la zone entre guillemets SF. Alors j'ai absolument pas pour faire. Aïe. Parce qu'en fait, voilà ce qui m'a tué tout à l'heure en fait. Et ce qui m'aura tué maintenant, logique. C'est l'ad qui n'est pas tombé assez vite. Ils sont plus que 1, 2, 3, 4, bah 3. Là on va commencer. On a encore deux personnes, le mage rouge et le dragon de l'équipe C. Bon. On sera sans lui à première vue.
Dans quelle vie, vu la distance où j'étais? Ah, parfois il y a vraiment du truc n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Je prends des mandats à eux là. Ce fut chaud, chaud. On a compris celui-là pour l'éliminer. Hein. Et on s'y mêle vu qu'il n'y a pas énormément de monde qui s'y. Il est fait de temps en temps, même si là, tout le monde est de vous à première vue. Bien faire attention de nouveau au deux mâts spectral. Hein.
est finie. On passe donc à la suite. Boss final, en quelque sorte, est donc Diabolos. Sinon, on n'aurait pas atteint la zone finale. C'est-à-dire que ça doit être lui ou alors c'est qu'on a deux adversaires l'un après l'autre, vu qu'on est à progression 5 sur 7. Et à première vue, c'est normal qu'il y ait eu beaucoup de morts. C'est plusieurs personnes qui ont acquis ça la première fois. D'autres ont sûrement oublié aussi, là, ça c'est toujours habituel. Alors mon grand, toi aussi tu veux ta revanche? Allez viens. On a eu ta reine, qu'est-ce que tu peux faire toi? Un regard bien entendu, pas l'habitude, hein, donc on ne regarde pas. Ceux qu'on regardait, on leur enlève. C'est que tu piques, mon grand. Notre but est bien entendu d'éliminer les portes de mort avant qu'elles s'ouvrent. On évite le regard, toujours. Quelqu'un l'a pris de nouveau, on lui enlève. Mauvais présage. C'est une sacrée boule, mon grand, que tu fais là. Terreur ultime, ne pas être tout près de lui. Je note. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié le nom en fait. De fait, je ne savais pas que c'était celle-là qu'il fallait éviter. Je ne savais plus. Cauchemar. Au nouveau, c'est le regard. Hein. On le voit de toute façon, on s'appelle sur le boss. Qu'est-ce qu'il fait? Porte de vie. Ça ressemble un peu à Dragon Ball, voilà, genre de Kamehameha avec une grosse boule genre Genki-Dama. Je regarde derrière, en plus il faut éliminer les petites portes. C'est clairement un DP check à ce moment-ci.
Oui. Qu'est-ce qu'il compte faire? Ah ouais, ok. Le pourquoi il l'a ramené en vie, c'est juste pour l'absorber en fait. Petit enfoiré de mes deux. Et en effet, comme vous le voyez, tout ce qu'on peut faire actuellement, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Ce que je peux faire, c'est actuellement m'occuper de mes alliés. Hein. Ah non, on peut recommencer à taper. Faire bien attention au regard. Ah bah, le regard est passé. Laisser les DPS le soir de s'occuper du reste. Pendant ce temps-là, je vais tenter de raise. Je comprends pas pourquoi cette porte n'est pas DPS, c'était normal, je ne sais plus. Cauchemar. Oh, attention surtout au debuff à devoir bien enlever. Encore. Elle doit aller. Oula. Attention à ça. Attention au regard surtout. En plus j'avais le glas, tant mieux. Bon, c'est pas quelques loups de l'équipe. Enfin, voilà, quelques loups de la veille. À première vue, monsieur ne fait pas les debuffs. Au moins, MRS, c'est déjà pas mal. Ok, merci. Moi j'ai pu envoyer le raise. Sa zone est quand même grande, hein, putain. Je pensais être à l'abri, et même pas. J'ai la double résurrection pour moi. Non, ça va. Personne n'en veut. Je vais attendre que ça s'y passe. Enfin, pour en fait, ça vaut la peine déjà.
d'éviter les AOE cette fois-ci. Oui! Bordel. Bon, ça c'est pas grave ça. Quête de job, ça, ce sera pour la prochaine extension. Clairement pas maintenant. Ah, que ce soit la cité de Mac ou Dunskate, ce ne fut pas facile, contrairement au... à la tour du cristal. Hein. Beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas, beaucoup d'autres qui n'avaient sûrement oublié. J'en suis le premier, hein. Je l'ai déjà fait, pourtant j'avais complètement oublié comment ça se passait. Mais bon, en moi, vous avez pu vous marrer ou criser sur le fait que je galère, et pas qu'à peu. On va quand même remercier Serena, elle m'a bien aidé, et m'a bien sauvé la mise aussi. On se retrouve bien entendu lors du prochain épisode afin de clore l'histoire de l'ombre de Mac, hein, donc du raid Valcat. Et après, nous nous mettrons donc à faire le raid 8 joueurs. D'ici là, bien entendu, bonne chance à vous! Bye!